Des frappes israéliennes cette nuit sur la bande de Gaza. C'est la réponse de l'État hébreu à des tirs de roquettes un peu plus tôt en provenance du territoire palestinien. L'armée israélienne dit avoir visé des infrastructures du Hamas au pouvoir à Gaza. Aucune victime n'a été signalée. Les tirs de roquettes palestiniennes n'ont pas été revendiqués, mais les groupes armés palestiniens avaient promis de répondre aux raids israéliens de jeudi matin dans le camp de réfugiés de Jenin, en Cisjordanie. Le djihad islamique était la cible de cette incursion militaire, car selon Tsahal, elle planifiait une attaque en Israël. Au total, 9 Palestiniens ont péri au cours de cette opération. Un dixième a été tué par des tirs israéliens près de Ramallah. L'autorité palestinienne a dénoncé un massacre et annoncé mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël, une première depuis 2020.